Et là, a commencé entre vous une relation cachée. Oui, cachée, oui. Bon. Bah, on était devenus, par la suite, amants et maîtresses. Voilà. Hyper sexy. Bah oui. Mais vous vous voyez où? Bah, dans les bois. Dans les bois? Dans les bois? Oui. C'est un peu bizarre, non? Dans les bois. On se promenait. Non, mais on se promène. Enfin, il faisait beau, rassurez-moi. Il faisait beau. Oui, il faisait beau. C'était pas en plein hiver sous la neige. Bon. Et vous voyez où aussi? Après, par la suite, où j'habitais, j'avais ma chambre qui était au rez-de-chaussée. Et passer par la fenêtre. J'aime bien Jean-François. Eh hey, ouais. Et le matin, par contre, le matin, on mettait le réveil pour qu'ils partent avant que tes enfants se réveillent. Bah évidemment, il fallait pas qu'ils voient leur père à la maison, ça aurait été un drame. Ils auraient rien compris, les enfants. Oui. Ça a duré combien de temps, cette relation cachée? Quelques mois. Quelques mois, oui. Ouais. Ça a dû remettre un sacré piment entre vous. Oui. Ah, c'est... Ça reste une des très belles périodes de votre vie. Oui, oui. Ah ouais, Jean-François, il fait... Ah ouais, 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 c'est super, hein. Oui. Alors justement, c'est je voudrais savoir comment vos enfants ont appris la nouvelle que papa et maman se remettaient ensemble. On va accueillir Swazig, l'une de vos filles. Bonjour Swazig. Bonjour. Comment ils vous ont annoncé? Vous avez un jour trouvé papa à la maison, un matin? Bah, ils n'ont pas annoncé, en fait, avec mes frères et sœurs. Bah, moi, je finissais un peu plus tôt, et puis mon grand frère aussi. On est rentrés à la maison, sauf que là, on a vu papa partir par la fenêtre. Ah, c'est drôle! Ouais, la maison, en fait, était... Vous lui avez vu et vous lui avez montré que vous l'aviez vu? Vous l'avez arrêté en disant, mais papa, juste, qu'est-ce qu'il fait? Il nous a pas vu, mais nous, on l'a vu. En catimini? Ouais. Partir par la fenêtre? Ouais. Mais vous avez dû éclater de rire ou ça a été un choc? Sur le coup, on n'a pas compris. Après, on a posé des questions à maman, quoi. Qu'est-ce que papa... On a vu papa sortir par la fenêtre. Pourquoi il sort par là? Enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi? Puis après, quelques semaines après, ils nous ont tous pris ensemble. Ils nous ont dit, bah écoutez, les enfants, voilà, avec maman, on se remet ensemble, quoi. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous? C'est une explosion de joie ou c'est... Attendez, on a déjà eu 3 ans à digérer votre séparation. Réfléchissez bien, les gars, avant de vous remettre ensemble, parce que pour nous, on est très bousculés quand même, parce que pour vous, c'est choquant. La séparation avait dû être difficile. Oui, assez difficile, surtout qu'il venait d'avoir un bébé, on venait d'acheter une maison, c'était pas évident. Puis d'aller chez papa, maman, c'était pas facile non plus. Et puis quand ils nous ont annoncé ça, on leur a dit, vous êtes sûrs de vous? Parce qu'on recommence pas une deuxième séparation, quoi. Puis ils ont dit oui, on est sûr, on veut se remettre ensemble pour vous, et puis on s'aime, et voilà. Et puis bon, on était contents, quoi. C'était pas banal non plus qu'ils se remettent ensemble, mais on était contents qu'ils se remettent ensemble, ouais.